Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un livre. Donc c'est le livre Mystérieux de l'au-delà de Johan Greber. Donc c'est mon petit cadeau personnel que je me suis faite pour Noël. Je vais donc vous parler un peu de ce livre. Donc ça l'a dit, strict prêtre catholique, ne croyant absolument pas au surnaturel, Johan Greber a vécu une expérience unique en Allemagne. Il a communiqué avec des esprits qui lui ont expliqué avec beaucoup de détails comment leur monde spirituel agissait sur notre monde matériel. Ensuite, ces esprits lui ont expliqué comment les textes bibliques ont été subtilement modifiés au fur et à mesure des siècles afin que les prêtres puissent contrôler la population, tout en lui expliquant la véritable nature des textes originaux avec presque 30 ans d'avance sur les découvertes et traductions des manuscrits de la Mer Morte. Trésor de la littérature spirituelle, régulièrement imprimé depuis 70 ans, le livre mystérieux de l'au-delà est le seul livre qui répond à toutes les questions sur la nature du monde. Le Christ, l'au-delà, Dieu, les anges et surtout la raison de l'existence humaine. Alors j'ai commencé ce livre il n'y a pas longtemps, donc le petit moins, je trouve que l'écriture elle est écrite vraiment petite. Moi qui ai des soucis avec mes yeux, si j'ai pas mes lunettes donc je n'arrive pas à le lire, moi je parle de l'intérieur du livre hein, parce que le début c'est quand même écrit assez gros. Alors il y a en tout et pour tout 369 pages. Le peu que j'ai pu en lire, ce livre est très intéressant et une fois que vous mettez le nez dedans, je pourrais dire qu'on a un petit peu de mal à décrocher. Donc là, vous voyez, c'est quand même écrit très petit à l'intérieur. Mais bon, voilà, je vous le recommande. Si jamais vous en faites l'achat et que vous l'avez terminé, je vous invite à venir échanger avec moi sous cette vidéo pour qu'on puisse donner un petit peu nos ressentis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude et je vous dis à bientôt. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.